Et tu vois, c'est quand j'ai commencé à venir ici, au State, que je me suis rendu compte que 1 million, c'est rien. Donc là, d'abord je vais prendre un petit jus et après je vais prendre ce que ma petite soeur avait pris la dernière fois, là, de, une espèce de kebab choisi. Moi je vais prendre ça. Donc le voici, le fameux. Bon, ils l'ont fait à la va-vite aujourd'hui. Hein. You can go again. Tomatoes a lot. Can you put more? Yeah, please. And hummus a little bit. And that's it. Bro. Oh, you. Yeah. What is cheese? Cheese? Yeah, a little bit. Yeah, it's fine. Okay, it's fine. Bon, voilà sur quoi je pars. Ça s'appelle ça un chicken breast. On va voir ce que ça va donner. Il y a du riz, salade, tomates, concombre, un peu de houmous, concombre, pickles. Ça s'appelle ça pickles. Ouais, donc là, on est au QG. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Même fournisseur, ça fait 8 ans. 8 ans. 7 ans et demi, un truc comme ça. Donc voilà, je prends un peu de matos aussi pour le salon à Braza. Et passer une commande. Donc voilà. Et tu vois, c'est quand j'ai commencé à venir ici, au State, que je me suis rendu compte que 1 million, c'est rien.
1 million, c'est rien du tout. Parce que quand je regardais le stock du fournisseur, je me disais, mais lui, en fait, en, rien qu'en valeur de stock, il doit avoir 3, 4, 5 millions, facile. Donc en réalité, 1 million, c'est rien du tout. Ça vient, ça part rapidement. Et je pense que le volume de transactions qu'il doit faire, lui, à la semaine, ça doit être énorme. Il doit faire peut-être, je sais pas moi, ouais, entre 70 et 80K de CA, like, weekly, chaque semaine. Facile, parce qu'il y a beaucoup de produits qui coûtent cher. Généralement, les gens quand viennent passer des commandes, en dehors des grossistes, déjà ceux qui viennent se ravitailler pour leurs besoins personnels ou pour le travail, mais comme les barbeurs, ils achètent énormément de produits. On peut être sur une facture moyenne à 150-300 $. Et quand c'est les grossistes, c'est entre 3 000 $ jusqu'à 25 000-45 000 $. Donc, il faut bien se calculer. Et il fournit pas mal de personnes dans tous les états qui sont non loin. Et ça me fait penser à un business qu'un ami à moi, quand j'étais en cours, il me parlait. Il me disait que Ange, en fait, en vrai de vrai, il ne faut même pas se prendre la tête. Il suffit juste de devenir le grossiste de tous les petits business qui fonctionnent bien. Notamment si on prend le cas du Congo, si vous arrivez à être un grossiste pour ceux qui font de la boucherie, pour ceux qui font des épiceries, ceux qui vendent du pain. Donc en gros, vous avez une grande boulangerie et vous distribuez en gros aux petites boulangeries, aux petits revendeurs. Vous êtes sûr que vous n'allez jamais manquer de clients. Là, on va essayer de speeder parce que mine de rien, le temps il passe vite. Là, il est déjà 14h13 et idéalement, il faudrait qu'on soit à l'aéroport pour 18h. Le vol, il part à 21h30. J'ai pas envie qu'on rate le vol comme la dernière fois, enfin, qu'on puisse rater le vol parce que la dernière fois, il nous a arrangé. Mais non. C'est important d'arriver à l'aéroport toujours 3 heures avant. Avant, quand on me disait ça, je disais non, arrête les bêtises, j'y croyais pas, mais je vous assure, vaut mieux arriver en avance que trop juste. Parce que parfois, il y a des imprévus sur place, vous devez ajouter un bagage, le poids, il n'est pas bon, il y a ci, il y a ça. Donc voilà, vaut mieux être prévoyant. Un prévoyant n'a jamais regretté. Voilà, ça, c'est une phrase que j'ai apprise au Congo. Un prévoyant n'a jamais regretté. Donc, si vous pouvez arriver 3 heures avant l'aéroport, n'hésitez pas à arriver 3 heures avant. Donc voilà. Si vous pouvez devenir le grossiste des petits business, en vrai de vrai, c'est le meilleur business. Vraiment, c'est top. Du genre, vous avez un produit, au lieu de le vendre au détail à 10 euros, vous le revendez peut-être à 6 euros. Vous n'allez pas le vendre, vous n'allez pas faire une grosse marge, mais vous allez vendre tellement de volume. Parce que généralement, en plus, quand on achète en gros, quand on vend en gros, comme il y a un MOQ, il y a un minimum de quantité à prendre. Genre, par exemple, si je vends un produit à 10 euros de base et que tu veux l'acheter en gros à 6 euros, bah, faudra que tu m'en prennes peut-être 100, 200, 300, sinon ça sert à rien, c'est pas rentable pour moi. Et si vous faites ça avec genre 10, 15, 20, 50 clients différents, putain, c'est trop bien. Ça vous donne la possibilité de faire un bénéfice qui est énorme, vraiment énorme. Donc là, on va aller voir un autre fournisseur, c'est comme d'hab, hein, c'est toujours le même chemin que je fais en vrai. Lui vend des parfums, c'est lui, comment je suis tombé sur lui, en fait, j'avais un autre fournisseur qui est pas loin de chez lui. Et après, quand je marchais, j'étais tombé sur son magasin, je suis rentré. Le patron, il était super sympa avec moi, d'origine indienne ou pakistanaise, je sais pas. Et depuis, j'ai sympathisé avec lui, donc toujours je passe, je prends des petits parfums. Et d'ailleurs, les parfums sont vraiment pas mal. Il y en a pas mal que je vends même au salon à Brazzaville, au Low Fade. Donc voilà, on va aller là-bas directement. Et... Du genre, hier quand je parlais avec le pakistanais qui m'avait interrompu, je faisais une vidéo, il y avait un pakistanais qui m'avait interrompu. Il me disait, si tu veux devenir milliardaire, trilliardaire, ou je sais plus, trillion, billion, like, faut venir à New York. Regardez la vue. La vue, là, je vous montre, elle est magnifique. Là, on a une belle vue de New York, vous pouvez voir. Vraiment, l'immeuble à allumettes, là, il me tue. C'est incroyable. Là, on est vers West New York. Si vous voyez là-bas, il y a Manhattan. Je vais l'acheter un petit truc là. À Paris Baguette, c'est mon restaurant préféré. Bon, je sais pas si on peut qualifier ça de restaurant, mais c'est comme une boulangerie, pâtisserie. Ils font des sandwichs.
C'est vraiment l'endroit que j'affectionne lorsque je viens à New York. C'est tenu par des Coréens, c'est une chaîne coréenne, ils ont appelé ça Paris Baguette. D'ailleurs, Philippe Simo avait fait une vidéo à ce sujet-là. Ok, donc là, je suis au Jersey Garden, donc c'est un outlet. Outlet, ça veut dire entre guillemets, il y a des produits de qualité de grandes marques qui sont vendus pas trop cher. Corrigez-moi les Américains, les Congolais qui sont au State, corrigez-moi si je me trompe. Mais en gros, c'est ça. C'est un grand centre commercial et généralement, c'est à prix réduit. Donc, je vais aller prendre une petite paire de chaussures là parce que ma paire là, c'est compliqué. Et un petit jean aussi, il y a Levi's ici, ils sont pas trop chers les Levi's, puis après let's go.